Eh bien, bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, ça fait une éternité. Et voilà, je m'en excuse. Les journées passent, ne se ressemblent pas. Donc, je prépare ma brocante. Enfin, ma brocante. En fait, ce n'est pas une brocante, c'est un marché nocturne où je vais exposer pas mal de choses que je fais. Donc, du coup, en live en plus. Donc, j'avais pas mal de petites choses à finaliser. Et voilà, je pense que je suis presque opérationnelle, c'est-à-dire que je devrais dormir 2-3 heures cette nuit. Donc, surtout si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir me voir de 18h à 23h. D'ailleurs, il n'y aura pas que moi, il y aura plein d'exposants. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Et c'est Julien ce soir qui est aux commandes. Donc, du coup, il va pouvoir lire les commentaires. Alors, vous savez, il y a. Plusieurs jours, on avait commencé ce petit guéridon et je ne l'ai peint en noir, donc noir complètement. Et puis j'ai fait ça trésor. Donc en fait, le duo de couleurs et le duo d'effets, en fait, ça va être noir et or. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre de la patine noire, enfin un jus noir. Et puis, par-dessus, je mettrai un transfert d'image, en fait. Voilà, que je ferai à l'héliotransfert. Mais ça va être cette nuit, parce qu'on ne va pas avoir le temps de le faire ensemble. Et demain, je vous prends un live, je vous fais un live sur le marché, et on verra un petit peu tout ce qui a été terminé, que vous connaissez déjà, hein, qu'on a fait ensemble. Mais bon, voilà, j'ai fait des petites retouches. Je voulais vous dire également... du coup, j'ai repris cette porte. Ça fait un petit moment qu'on l'a fait, d'ailleurs, c'était dans les débuts du confinement. Et pour vous dire que c'est pas parce qu'il y a une couleur de fête et que c'est vitrifié qu'on ne peut pas revenir derrière et faire un petit liseré. C'est-à-dire que des fois, on se torture un peu l'esprit en se disant voilà, qu'est-ce que je vais faire comme couleur? J'en ai deux, j'en ai trois. Est-ce que je fais un pochoir ou pas? Ce que je conseille, c'est on vitrifie, voilà, on vit avec quelques jours, même si c'est quelques semaines, après tout, peu importe, c'est chez vous. Et à un moment donné, il y a un tilt qui se fait et on dit, ben voilà. Du coup, je mettrais bien un petit liseré de ceci, un petit liseré de cela. Donc là, j'ai repris les couleurs noires et craie. Donc là, j'ai fait du noir, j'ai fait du craie. Alors, je n'ai pas mis les Léopro. Je suis repartie directement avec la satinelle sur le vitrificateur. Et écoutez, bon, ça tient vraiment. Donc là, je vais passer une patine. Donc ça, c'était lichen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était lichen avec un carreau de ciment. J'avais mis l'antique rouge, je crois. Et puis, noir et craie. Je vais alors passer une patine qui va être noire. Voilà, c'est pour vous dire que rien n'est vraiment figé. J'ai une amie qui se pose beaucoup de questions de temps en temps à dire bon sang, qu'est-ce que je fais? Je mets un pochoir, je mets pas de pochoir. Mais il est toujours temps de revenir. Ça, c'est rien n'est figé. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de petites choses. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit tiens, je la patine est trop légère, j'ai envie de le foncer. Donc, je reviens dessus. Il n'y a rien que l'on ne puisse reprendre. C'est pareil pour les pochoirs. Vous pouvez très bien ne pas avoir mis de pochoir et faire un pochoir après le vitrificateur. Tout est possible. Voilà. Donc, allez, on se le fait ce petit guéridon. Alors, en ce moment, c'est noir et trésor. Donc, le trésor, ça se, soit c'est en 500 ou soit c'est en 150 ml. Et ben, c'est un vrai petit trésor parce qu'on peut vraiment faire de très belles choses. Alors, soit tel quel, on le prendrait tel quel. Pour moi, ça fait un petit peu trop bling bling, mais ça c'est mon goût perso. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire sur mon noir. Alors, je vais le passer en jus. Je pourrais
pourrais très bien le faire en patine. C'est-à-dire qu'en patine, je prendrais du décoglacis, je mélangerais ma peinture et ça ferait une petite patine noire. Une petite patine trésor. Mais là, je vais vraiment essayer de bien le tacher en jus. Alors, et puis avec ma laine d'acier, après, je viendrai enlever, mais je veux vraiment que ça rentre, que ça redessine toutes les formes, parce que je sais qu'il y en a quand même, hein, avec ces petits tourniquets et tout. J'ai un plateau qui est superbe. Je vous montrerai les photos demain en grand. Alors, je ne vous dis pas, j'en ai un qui est en train de faire des croque-monsieur, juste là. Il a enfumé la cuisine, c'est génial. Voilà. Non seulement ça sent, mais en plus, on va se retrouver dans 3 minutes avec un brouillard hein, de fumée. Mais je vais y arriver. Je sais que ta caméra est par là. Bon, alors, on dit 50-50. Là, ce que je fais en général, quand c'est des petites choses comme ça, je trempe mon pinceau. Mais là, je ne vais pas le refaire. Je trempe tout autant mon pinceau dans l'eau. Voilà. Donc, j'estime que je prends certainement plus de matière de peinture parce que l'eau, elle n'accroche pas dessus. Mais voilà la proportion quand je fais des petites choses. Je trempe dans la peinture et ensuite, je trempe dans l'eau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait un petit jus de trésor. Je vais l'appliquer sur le noir. Et puis, je vais bien voir si c'est pas assez, j'en mettrai. Si c'est trop, j'en enlèverai. Comme je dis toujours, on ne peut pas se tromper. Et ça, c'est véridique. Donc j'ai enduit mon pinceau. Et alors, ça fait quoi? Mais ça fait super. Mais je pense que malheureusement, vous n'allez pas pouvoir voir. Je vais mettre même un petit peu plus de trésor. Alors, il est vrai que ce trésor, il est superbe. Mais vous voyez, pour le plateau, j'ai dû mettre 3 couches. Voilà. C'est comme ça, il y a des couleurs... Hein. Ou moins couvrante, donc bon, après 3 couches hein, pour quand on veut faire quelque chose d'extraordinaire. Ah, oui, c'est extraordinaire, hein. C'est pas beau, c'est extraordinaire, donc ça vaut le coup. J'espère que vous me voyez encore. Hein. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de tousser, mais bon, ça va s'arranger. Donc, vous voyez que ces belles formes, le trésor il va vraiment venir. On va peut-être le voir après, Julien. Je crois pas que. Si, c'est bon. Si. J'ai zoomé sur le meuble. On ne voit plus, mais on voit la couleur. D'accord, ok. On voit la couleur. Donc, du coup, je travaille plus comme ça. Donc, c'est super léger. Je rentre bien dans les interstices. Moi, je pense que là, je vais vraiment m'éclater quand je vais l'enlever. Je ne suis pas sûre de tout enlever, d'ailleurs. Et comme c'est un jus et que je n'ai pas mis de gras, mais du coup, je fais ce que je veux. Je ne suis pas obligée d'enlever, de tout lustrer en fait. Alors vous allez me dire, bon, en noir c'était aussi joli quand c'est mat comme ça un peu. Oui, écoutez, après justement, c'est là où vous jouez avec, les nuances, enfin le fait d'enlever ou pas trop enlever. Donc là, on est vraiment dans un jus, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de matière, hein, vraiment. Hein. C'est juste que ça colore, en fait. Je ne suis pas en train de mettre un tas énorme de peinture. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, Julien va les poser. Et puis, demain, bon, pas à la nuit, je vous prendrai le deuxième jour, c'est plus sympa. Et ben, je vous montrerai ce beau marché avec plein d'artisans. Alors, du coin ou pas du coin, je pense qu'ils sont allés les chercher pas très très loin quand même. Voilà, donc j'essaye toujours d'aller vraiment dans le sens, alors pas de mes coups de pinceau, parce que je n'en ai pas fait, je n'en fais que très rarement, puisque je préfère travailler au rouleau. Pas dans le sens du mélange du bois, parce que pour le coup, merisier, là, bien verni, bien brillant, donc il n'y en avait pas du tout. Donc voilà, je vais dans le sens en fait des formes du meuble. Voilà. Et chaque forme de meuble. Je pourrais enlever au fur et à mesure ce que je mets, enlever le surplus, mais c'est tellement léger que ce n'est pas nécessaire. Je vais l'enlever et je vous dis, quitte à vraiment plus s'en laisser, je ne sais pas, ça va aller au gré de ce que j'ai vraiment envie. Est-ce que
qu'on va bien voir? Est-ce qu'on voit bien le plateau, Julien? Donc, pareil, je vais prendre un peu de noir au bout de mon pinceau. Hein, noir au bout de mon pinceau que je mets dans mon petit gobelet. Et du coup, pareil, je retrempe dans l'eau, mais là je l'ai déjà fait, du coup je ne vais pas en remettre. Tout simplement. Ben oui, je dis que toujours tout est simple, mais tout est simple. Alors, est-ce qu'on voit bien mon mouvement? Ouais. Bon là c'est un peu liquide du coup, mais j'essaye d'en mettre un petit peu partout. Je ne vais pas, à chaque fois je le dis, mais je ne vais pas répondre au téléphone, parce que quand même je vais finaliser ce que je fais. Alors au secours, on ne voit plus le trésor, mais si, vous allez voir. Donc, je récupère à chaque fois des petits bouts de torchons, des petits bouts de guenilles, comme dirait ma grand-mère. Donc voilà, je vais essayer de tamponner, c'est vrai que c'est un petit peu liquide. En fait, j'essaye déjà d'enlever un tout petit peu le surplus. Je vais faire un transfert noir. Et puis quand ça va être bien sec, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais lustrer un petit peu pour enlever avec une laine d'acier. Bon, je pense que c'est bon. Vous voyez ce côté un peu vraiment, Julien, ce côté un peu vraiment or, très, très brillant. Eh bien écoutez, du coup. C'est pas qu'il est moins brillant parce que du coup je vais illustrer, mais voilà, ça casse un petit peu ce côté un peu bling bling, voilà, que j'aime pas forcément. Et puis en lustrant, ça va justement, on va revoir le côté très éclatant. Voilà. Ça va pas? Bon, j'ai l'impression que la technique elle est pas très au point quand même. Hein. Alors voilà pour la petite table, donc je vais laisser sécher, hein, et puis je vous montre le résultat demain au marché. Voilà, je voulais vous dire pour ceci, et puis c'est ça que j'ai oublié de vous dire du coup, parce qu'ils sont tous à gesticuler derrière la caméra. Faut que je parle. Ah mais oui, d'accord, il n'y a pas le micro. Bon, c'est la reprise. Il n'y a pas de micro en fait, c'est pour ça qu'on n'entend pas. Bon, ok, je vois que il faut remettre tout ça au point. Alors, je vais parler un petit peu plus fort. Du coup aussi, il y a le bâton à l'huile qui est couleur or. Et pour le coup, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut jouer avec, vous voyez, j'ai du noir et de l'or. Et je peux faire des effets différents. J'intervertis le noir sur l'or et l'or sur le noir. Et puis, j'ai aussi ce petit bâton à l'huile. Et avec ce petit bâton à l'huile, ce qui est très sympa, c'est d'en mettre sur les arêtes. Ce n'est pas forcément toujours facile à les garder quand on lustre et quand les rebords sont vraiment, je dirais, presque saillants comme ça. Eh bien, vous mettez... Et oui, il faut que j'écrase d'abord. Vous avez une petite pellicule sur le bâton. C'est vrai qu'il faut l'enlever. Voilà, donc là je l'ai ôté. Voilà, hop. Et vous venez frotter, hein, tout simplement votre bâton. Voilà. Vous venez frotter votre bâton comme ceci. En fait, je suis vraiment dans le marquage. C'est-à-dire que on patine un meuble, on met un jus, mais on ne fait pas tout à la cire, pas tout au bâton à la cire. Voilà. C'est vraiment ça pour marquer les angles, pour faire un effet usé, pour faire un pochoir, mais ne faites jamais, n'en mettez jamais sur votre meuble. Voilà. Ou alors après, il faut le diluer, enfin c'est vraiment particulier. Donc c'est sympa, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tous les cas, ça a bien marqué. Je vais laisser sécher, ça sèche moins rapidement que la satinelle, puisque ça met 72 heures. À sécher, mais on a un petit résultat, vraiment on a l'impression qu'on est venu griffer, ça fait un effet usé en fait, hein, le bâton fait un effet usé. Donc voilà, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs styles que l'on peut faire. Donc
préparation tout à l'heure. Finir sa petite beauté. J'avais ce que je trouvais un petit peu terne, c'est pareil, on peut revenir. Du coup, j'ai repassé au bâton à l'huile, une deuxième couche pour que ça fonde, c'est ce que je vous disais. Et vous pouvez nuancer et vous pouvez intensifier en repassant par-dessus. Donc là, ça y est, c'est bien sec. Du coup, ça va passer au lavage, hein, puisque je l'ai abandonné une petite semaine. Et puis, du coup, j'ai décidé quand même de faire une petite ligne en rappel par rapport à celle qui était déjà existante. Donc, deux bouts de scotch, hein, tout simplement. Voilà. Donc, ça va passer au lavage et puis je vous montrerai ça. Alors, j'ai aussi ceci. Vous voyez la fameuse planche où j'avais mis, pour faire un petit déjeuner, où j'avais mis deux poignées, là, que j'avais peint également. C'est du fer, mais je l'avais peint également. Et puis là, j'ai décidé de faire, tout simplement, parce que je voulais avoir, voilà, la rosace qui est là. Et c'est pareil, un pochoir, on n'est pas obligé d'encadrement, soit on prend les écritures, soit on prend les deux. Mais ce qui est sympa avec un pochoir, c'est qu'on peut, voilà, le chez l'un, le meilleur de l'un, le plus beau de l'autre. Voilà, on peut s'amuser avec un pochoir. Donc, eh bien, écoutez, je vais passer un jus et puis on se retrouve demain quand j'aurai... Ça fait beaucoup de choses, ça, demain, à faire. Je pense que, comme je dis, je ne suis pas couchée. Donc, du coup, j'ai mélangé, et ça, j'aime bien faire ça, j'ai mélangé un noir avec du vengé. Vous allez me dire, déjà, le vengé, il est déjà très foncé. Écoutez, on peut encore faire ce que l'on veut, et on peut encore faire un petit peu plus. Donc là, je pose... Pareil, un petit peu de jus, un petit peu d'eau. Soit vous le faites directement, mais là, comme j'ai pas beaucoup de surface finalement à patiner, bien écoutez, je trempe juste mon pinceau. Donc j'en mets un petit peu partout. J'attends pas que ça sèche et je viens lisser. Alors je sais que c'est pas très joli, hein, mais vous savez bien après ce que je fais. Je l'essuie et ce côté blanc qui me plaisait, parce qu'en fait il était trop foncé. Et ce côté vieille planche, mais vieille planche d'antique, j'aime bien. Je vais le retrouver quand je vais lustrer. Donc c'est pareil, on retrouve tout ça demain sur le marché. Voilà, ça m'en fait des choses à emmener.